Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je dis, c'est avec un pile amertume, avec un pile tristesse. Que je dis à moi-même, je suis devant toute caméra ça yo, pour m'a parler. Mais parole ça, je dis à nous prendre, c'est l'occasion funéraille du président Jovenel Moïse qui est mort 6 juillet. Que nous-mêmes nous constatons que c'est une la mort tragique pour nous, haïtiens. Parce que je dis à je pense que c'est important pour chaque grain de nous là, pour nous prendre conscience, pour nous garder côté bagarre à Bradéa, pour nous dire qu'il va aller dans une mauvaise direction. Je pense que après tout le monde qui finit de mourir dans la bataille, ça, quitte qu'il était aligné avec le Jovenel, quitte qu'il n'était pas aligné avec le Jovenel, je pense que tout le monde, il est abonné pour une grande cause. La cause là, c'est garder comment nous sommes capables de gagner pour l'autre Haïti. Mais je pense que tout, nous-mêmes qui pouvons mourir, qui pouvons mourir un jour à tout, qui gagnent 2-3 jours pour être en prison, l'État est important pour nous faire la justice. Mais pour nous faire la justice, c'est un grand jeune qui a la justice. C'est en fait être ensemble pour nous garder comment nous sommes capables de retirer Haïti dans tout ça à côté de trouver là. Nous, c'est un peuple qui fait un gros gourmet pour nous capables de river côté nous là aujourd'hui. Mais nous garder. C'est des gourmets qui nous font en vain. C'est des gourmets qui n'ont pas de résultats escomptés. Mais ça ne dit pas pour autant qu'il y a campé la bataille. C'est une bataille qui m'a dit qu'il faut que la bataille continue. Parce que tout autant qu'il y a vivre, nous avons espoir. Et espoir, ça va nous faire vivre. C'est le, nous conscients de ça que nous faisons. Si nous faisons une bataille, nous ne sommes pas conscients de la bataille, nous continuons victimes et nous continuons cause. L'autre monde victime. Et je dis, on a regardé comment la communauté internationale, la pays, on a regardé là, le pays voisin, nous, comment ils ont nous aujourd'hui. Ça qui est arrivé, nous-mêmes comme journalistes, nous pouvons faire quelques enquêtes sur la question ça, pour nous voir comment ils ont traité nous après la mort. Malgré qu'ils ont maltraité nous déjà, avant là, nous avons des trois familles qui étaient Saint-Domingue. Je dis que je ne peux pas arrêter Saint-Domingue parce que nous sommes jugés. Si nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de vendre le président du pays, nous, et nous-mêmes comme dominicains. Ça, il fait un appel à la conscience pour nous dire que je dis à fort nous prenons conscience tout bon vrai. Parce que je dis à Jovenel Moïse, président du pays d'Haïti, il mourit pour une cause. Et la cause, ça, c'est la justice sociale liée. Il n'y a pas l'autre cause. Il fait longtemps la mener en bataille. Bataille ça, en pile dans nous, tu prends sous forme une bataille politique. Côté qui bataille la partie chambre politique. C'était une bataille économique. Mais nous-mêmes en de classe défavorisée, nous sommes sponsors. Chaque fois qu'ils ont besoin de résoudre le problème par eux, ils ont utilisé nous. Et nous sommes capables de dire qui ça n'est que ça comme force. Et nous, oui, force. Force négio, ils sont capables de prendre nous rails nous. Vivre sous bout de terre, ça faut que nous prenions conscience pour bagage soit capable de continuer parce que nous ouais monsieur qui est cobble dans le pays ça monsieur qui est dit qui c'est bourgeois dans le pays ça moun yo est de classe économique pays ça moun yo dit qui c'est oligarque pays ça nous ouais force yo je dis à nous capable assister yo nous ouais qui quoi ces messages yo voyez by tout reste monde qui était 12 à 13 millions haïtiens qui étaient. Nous avons un message fort que M. Sao voulait pour nous. Je dis chaque fois que nous parlons, nous disons que c'est petit tête, papa de Saline, il a corrigé nous. Il a corrigé nous. Il a corrigé nous avec un peu de rigueur. Et nous, qui s'en est que ça a fait Jovenel? Il a pété Jovenel. Parce que Jovenel dit qu'on nous est. Il a dit qu'on ne peut pas pour encore. Il a cassé pour être Jovenel. Parce que le Jovenel a un point de travail, il ne peut pas travailler encore. Il a cassé le Jovenel. Il a dit que c'est pied pour te gagner, qu'il faut te marcher dans toute section communale pour te regarder qui ferait problème pays.
Et bien, je dis reste moun qui rete dans le pays, lè nou bay ou on l'autre, y'a obligé exécuter l'autre yo à la lettre. Parce que nous, il y a des présidents qui passent dans le pays déjà. Nous, ça n'est que faire. Pour nous citer Aristide, Aristide fait des mandats. Le fait qu'il fait revendication, ça, il n'est pas arrêté sous pouvoir. Jovenel Vini, il prend revendication, il ramasse revendication Aristide là. Il dit qu'il va aller jusqu'au bout avec elle. Il dit non, il ne faut pas prendre la terre promise. Il faut faire tout effort pour faire. Mais nous-mêmes, nous puissants, nous avons des problèmes. Nous avons même frère, nous avons même monde qui a boumé pour nous, nous avons fait ces gens qui ont torturé. Nous regardons, nous avons des messages, messieurs, nous avons joué à Jovenel. Jovenel ne va jamais comprendre ça. Parce que Jovenel était toujours pensé, la bataille a mené, pas de toute haine ça là-dedans. Jovenel était toujours comprendre, règlement pas gâter les amis, nous sommes capables de faire règlement, nous avons un accord sur des accords. Parce que ça divise nous. Yo pipiti ke sa gen pou yini nou. Nan non pèp ayisyen, nan non diaspora yo. Nan non tout moun ki santi yo victime nan sak pase 6 ak 7 juye pase ya. Kote yon prezidan an fonksyon asasine la kay li nan rezidans prive li. Se vre ou kapab gen problèm avèk prezidan, men se prezidan tout ayisyen ke li. Assassiné lâchement dans la résidence privée, nous-mêmes, en geste pour nous montrer que nous condamnons, nous pas accepter avec Zach Babassa, avec modèle action Sayo, je dis, débloquer Haïti qui est membre force réserve nationale, là, avec toute organisation qui est dans lieu. Haïti pour nous toute plateforme décision et la trier, nous venons déposer Job Flessa. Yon manière, un, pour nous demander la justice, pour ouvrir bon gens enquête, yon façon pour joindre au tè, à côté, tout le monde qui dans zak criminel ça, et pour yon capable bay justice avec famille Moïse. Et nous souhaitons tout, c'est pour dernière fois, pour zak baba comme ça, répéter en dans pays. Les nous songer en 2021, pour un président, abdomi la kaili li genyen yon paquet moun k ap bay sécurité et jodi a nous dit nous wè mandat ap descendre d'un paquet derrière un paquet moun cependant moun ki était véritable responsable sécurité président yo encore dans la rue yo ap marché sans inquiétude nous ap mandé fòk la justice là yon fois pour tout prend responsabilité pour joine côté ak tout moun ki dans zak criminel ça. Les trois jours d'examen étaient très pour nous, okay? C'était à la portée de tout le monde. Les textes, oui, c'était à la portée de tout le monde. OK, les textes de langue, les textes de langue et les textes, bon, oui, c'était à la portée de tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est à la portée de deux, mathématiques et l'espagnol. Bon, mon souhait c'est que tout le monde réussisse, OK, et qu'on voit tout le monde en NS1 l'année prochaine. Avant, les professeurs étaient vraiment cool avec nous. Ils n'étaient pas aussi sévères comme on était en classe. Et ensuite, les autorités du ministère étaient vraiment relâchées par les feuilles. Les feuilles étaient, comme je veux dire, les feuilles étaient vraiment faciles, aucune difficulté, rien. L'école, ça, en forme, moi en forme, tellement, j'aime bien dire ça. Yeah, moi là semaine à l'école là. Satisfait des compositions. Un examen là, mais ça me problème qui te gagne ou pas. C'est jeudi, c'est bay bouillon. Bater ba jambe ba nous bouillon l'autre jour. Bon, pas comme qui raison parce que m'a trouvé ça sérieux. Pour tout juste à nous faire trois jours composition. Pour 3e juin, ba nous bouillon. C'était moi ici et ma pour ici. Examen était facile, mais examen mais mathématiques là, t'es fondi difficile. C'est ça. On était très bien préparé pour examen mathématiques là. Gè des bagages. Oui, j'ai des bagages de travail, je suis pas tellement jeune dans l'examen mathématique. Mais pour l'espagnol, je suis très bien passé là-dedans, je suis espéré pour me faire 190 ou 180. Premier jour, deuxième jour, je suis bien passé. Je suis souhaité pour tout le monde qui est là, yo réussi quand même. Je trouve ça pas très sérieux, je ne vais pas te poser là. Premier à deuxième jour, nous ne pas ni misonner ni bouillon.
et deuxième jour nous ban nous un petit bagaille on petit bagaille zuile oui s'il vous plaît un petit bagaille zuile oui on petit petit zuile oui il va te bailler assez temps il va te bailler en pile temps oui m'a obtenu résultat là très posé depuis me connais me passer on va faire fête collectif 7 juillet 2021 qui regroupe yon ensemble organisation politique syndicat parti politique secteur populaire société civile organisation femmes tankou escouade démocratique conscience communautaire raspa et salier rentrer en fonction gouvernement Ariel Henry et nous souhaiter gagner une réponse qui bail à ensemble problème ça yo tankou problème justice problème insécurité problème qui dans quartier populaire yo problème élection ministre Chalo intégré ministère bon faculté d'agronomie en 1981 pour y passer 4 ans jusqu'à 1985 pour capable décrocher diplôme comme ingénieur agronome de 85 après 85 de 86 à 87 à 87 il passait une année comme faire service civique au ministère comme nous accueillir en pile et cadre faculté hein. Il passait une année avec nous de 86 à 87 et de 87 à 93 il intégré ministère comme assistant responsable centre forestier de cabaret ça veut dire que nous voyons que c'est un monde qui est passé qui est là depuis 81 sous terre et panouan dans la faculté qui est à côté nous et de 93 à 2009 il quittait ministère pour la faire expérience en dehors du ministère pour des raisons personnelles côté que tu gagnes pile connaissance que tu accueilli à travers des ONG et autres expériences que tu fais de travail en dehors du ministère. Et il était de retour en 2009 comme directeur départemental du centre. De 2009 à 2012, il joue rôle ça comme directeur départemental. Nous connaissons 10 directeurs départementaux à travers le pays. Mais nous avons honneur pour qu'il ait même été servi au niveau au centre comme directeur départemental jusqu'à 2012. Et de juillet 2012 à juillet 2021, il servit nous comme coordonnateur de UCDDA et unité de coordination des directeurs départementaux. Et puis, jusqu'à la dernière position, j'ai comme chargé de mission et aujourd'hui, on a accueilli comme ministre de l'Agriculture. On a pris un second pour nous battre. Bravo pour le parcours. Bienvenue. Il y a un plus gros dossier ministère que nous travaillons là-dedans pendant que moi-même directeur général, c'est une nomination des cadres du ministère qui traînait pendant des années. Première rencontre que j'ai fait là, il y a des gens qui étaient contractuels jusqu'à 20 à 25 ans, 10, 15, 25 ans. Et finalement, il y a peut-être 3 semaines de cela, nous arrivés avec le travail que le ministre Patrice fait et avec la collaboration que je portais dans le dossier, ça, parce que je prends dès le premier jour que je suis arrivé dans le ministère en 2017. Nous arrivons à nommer tous les 4 ministères qui ont des contractuels là-dedans, sur le nombre de 304. Et son beau travail que nous faisons avec support. Nous tous qui là et ressources humaines, nous profitons de remercier le ministre Patrice qui travaille sur beaucoup de ses abonnés. Monsieur le ministre, bonne chance, du courage. Vous avez un directeur général qui était ensemble avec vous comme chef d'admission et directeur départemental. Vous avez un directeur général qui est à votre service. Pour que vous-même, toute vision et vision, et Premier ministre, vision gouvernement, capable d'atterrir pour le secteur agricole. On a vu des moments difficiles dans le pays. Des moments de division. Et division nous mène nous jusqu'à ce que nous revenions l'État, qui est l'État vagabond. Dans la tête de l'État, dans l'exécutif, il y a un paquet de monde qui est élu encore. Dernier monde qui est bien, le président Jovenel Moïse, et il parle là, il est lâchement, sauvagement, assassiné, torturé. Nous sommes état un peu à la dérive, parce que nous n'avons pas un parlement, nous avons 10 sénateurs, qui n'ont pas qu'à prendre, on voit, qui n'ont pas qu'à faire rien. Dans la collectivité territoriale, Azek, Kazek, pas qu'une personne qui est élu, magistrat, ou pas élu. Nous avons une situation, il faut nous relier sous nous pour que nous soyons capables de retourner
dans un conseil nation démocratique. Mission gouvernement PAMNA, et c'est mission président Jovenel Moïse Bamouin, c'est pour aller dans l'élection pour que nous gardions une nation normale. Il faut qu'on ait qui j'aime pas vivre, le Kounien, jusqu'à ce que y ait des élus qui vivent. Deuxième manière, il faut nous combattre l'insécurité. L'insécurité, pas seulement combattre dans la bouche, mais dans la réalité de la vie de tous les jours. Nous avons un bon monde qui a des difficultés pour faire petit de manger, pour voir l'école. Nous pas qu'à vivre, continuer à vivre comme ça. Et c'est peut-être ça, nous dit, nous allons adresser. Pour que nous gagnions l'élection, nous allons adresser le problème de sécurité. Moi, je pas fait, ça a eu l'effet d'annonce. Annoncer à l'avance, ça pourrait arriver. Mais le problème sécurité, nous allons résoudre. Il y a plusieurs saisons agricoles que nous avons ratées. Il faut nous faire un champ pour nous produire un peu plus. Et c'est peut-être ça, pour que nous gagnions plus sécurité physique, sécurité sociale, c'est-à-dire que nous avons mangé, que nous vivons mieux, c'est peut-être ça, nous mettez-nous ensemble et nous choisissons le ministre. Une tâche de bas ministre, c'est que faut recommander le secteur paysan. Le monde que nous oublions, le monde qui est dans l'arrière-pays, il faut être capable de jouer un petit bout pendant la période qu'il a passé. Nous venons aujourd'hui pour introduire, pour investir le ministre agriculture. Je vais retourner encore. Je vais retourner avec nous un petit peu plus tard pour me parler avec nous pour qui je n'ai pas organisé nous. Pour que le dialogue mondial nous fasse entre nous. Nous fasse non seulement avec, mais nous fasse entre nous pour que nous gagnions une meilleure vie ensemble. Je vous dis, son plaisir, pour m'introduire après un long processus de choix. Pour introduire un nouveau ministre de l'Agriculture. Ministre qui était président, il fait pile bagaille. Mais ministre que nous mettons là, il faut aller plus loin. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier Dieu de m'avoir gardé pendant cette présente minute. Ensuite, je profite pour remercier solennellement le Premier ministre, Son Excellence Docteur Ariel Henry, pour le choix porté sur ma personne, et je tiens à lui exprimer mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée en moi en ces moments particuliers où ce ministère, habituellement calme et se retrouve sous les feux des projecteurs, interpellé pour répondre à la question, disons aux questions liées à la gestion du secteur, à la productivité agricole, à l'organisation de la production elle-même, au maintien et à la création d'emplois en milieu rural, et surtout à l'insécurité alimentaire. Je voudrais en profiter pour saluer le travail combien noble du ministre Patrick Sévère au sein du ministère de l'Agriculture dans une conjoncture singulièrement délicate où l'institution de Damien a attiré beaucoup de regards. Monsieur le ministre, j'espère pouvoir capitaliser sur votre expérience et je ne manquerai pas de vous consulter chaque fois que le besoin se fait sentir. Je salue la présence des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Agriculture qui n'ont cessé d'apporter leur appui aux projets et activités de ce ministère et qui aujourd'hui continuent à soutenir les efforts du développement agricole. Je salue le directeur général, les directeurs des différentes entités, les membres du ministère, déconcentrés du ministère, les directeurs départementaux, les responsables de BAC, ainsi que les responsables des cadres techniques et administratifs du ministère, sans oublier tout le personnel de soutien
Mesdames, Messieurs, j'arrive à la tête de ce ministère dans un contexte exceptionnel caractérisé par des tensions politiques, par une relative incertitude sur les programmations d'intervention, par une rareté de ressources, par un accès difficile aux intrants, par un affaiblissement des systèmes de commercialisation des produits agricoles et aussi par des effets pervers de la pandémie de COVID-19. Premier ministre Ariel Henry, installé dans Postli, Wilson Edouard comme nouveau ministre Travaux publics, Transports et Communications, mercredi 21 juillet. Cérémonie en déroulée en présence de plusieurs cadres dans MTPTC. Premier ministre Ariel Henry a profité de faire éloge ancien ministre TPTCA et puis mandé nouveau ministre Wilson Edouard continuer avec même travail ancien ministre dans Tapfeu. En suivant un extrait. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider a comme pour objectif principal les élections. C'est son objectif principal. Mais pour aller aux élections, il y a tout un environnement qu'il faut créer. Pour qu'il y ait une forte participation, il faut que la population recommence à croire en l'existence de l'État. C'est-à-dire, nous devons donner plus de services à cette population. Vous, vous le savez plus que tous, que vous êtes un ministère de services. Et que les grands travaux d'infrastructure qui ont été commencés continueront. Il faut que les gens aient le sens en parcourant ce pays qui a un État qui existe et qui pense à eux. Monsieur le ministre, vous avez la rude tâche de continuer le travail de ministre Nader. Vous avez la rude tâche de faire comprendre à tout le monde que si l'État veut servir, que l'État est de retour, c'est important que les employés soient à leur tâche. C'est important que les employés donnent des services. Non pas des services n'importe quelle manière, mais donnent des services en comprenant que le boss, c'est la population et qu'il faut respecter. Je vous souhaite du courage, parce qu'il en faudra. Nous allons voir des turbulences, il faudra vous accrocher. Mais je sais que vous êtes un homme de caractère et qu'avec vous, nous arriverons à bon port. Ministre TPTC à Wilson Edouard, salué chef gouvernement, pour confiance, les placer dans l'île pour occuper POSA et puis bah, garantir la continuer à tout chantier qui était déjà commencé, si tout route, Cafoujof, Port de Paix, avec bonne chaîne pour nous citer Sayo seulement. En suivant un extrait. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la direction de ce ministère qui joue un rôle majeur dans la construction des bases du développement de notre pays. J'ai pleinement conscience de l'immense défi qui se dresse devant moi, celui de poursuivre les importants chantiers engagés par mon prédécesseur, tant dans le secteur des travaux publics, transports, et que c'est de l'énergie, de l'eau potable, des télécommunications. C'est l'occasion de présenter un vibrant hommage à l'ingénieur Nader Joachéris, à qui j'avais offert toute ma collaboration en tant que directeur général pendant une période approximativement de 16 mois. Les travaux en cours de réalisation doivent être finalisé. En ce sens, en tant que ministre, je vais me pencher pour la concrétisation du rêve de M. Jovenel Moïse qui est parti au-delà, à savoir les grands chantiers comme Cafoujof, Bassin Bleu, Port de Paix. Donc une partie est presque terminée. Port de Paix en sa couleur, qui sera financé par la Banque interaméricaine de développement. Les centrales thermiques, qui parmi ces centrales, il y en a trois qui sont achevées, qu'on va très bientôt les inaugurer, à savoir la centrale thermique de Cafour, la centrale thermique de Port de Paix, la centrale thermique
de Saint-Philomène, la centrale de Caris. Pour cette dernière, donc, il y a le réseau des distributions à faire de façon que très bientôt, la ville de Caris sera alimentée en électricité. Les travaux routiers à Moine-Chien, près de 5 km de route, donc, ont été identifiés. Et sur les 5, 3,5 km sont déjà réalisés. Pour la fête de Jean Rabel, qui va fêter ses 800 ans, le ministère va s'atteler de façon à pouvoir permettre à la population de Jean Rabel de bénéficier de la réalisation de cet axe. Ministre touriste La Lousse, Curta Cassandra François, installé dans Posli mercredi 21 juillet 2021. Ministre François Bay garanti, li pral travail à tout secteur pour améliorer les conditions touristes au nom pays d'Haïti. Li invité diaspora pour te coller dans aider ministère à atteindre l'objectif. Plus Curta Cassandra François pour te plus d'explications, Manico Eliezer Colo avec Max Joseph. Le tourisme, mesdames et messieurs, de force son caractère transversal, a besoin du renforcement de la sécurité et de la justice, de systèmes de santé et de services d'hygiène performants, du développement de réseaux de voies de télécommunication pratiques, du renforcement de l'agriculture et de la pêche, d'une stratégie de politique monétaire favorisant les investissements privés, d'un système d'éducation favorisant la formation professionnelle, des relations internationales solides et équilibrées. Nous nous proposons d'œuvrer à la création d'un tourisme qui soit économiquement durable et socialement rentable. Pour y parvenir, nous allons travailler tant avec le secteur public qu'avec les acteurs associatifs. Ils nous aideront à accomplir l'état suivant. Institutionnaliser le Conseil national du tourisme, cet organe a la charge de dessiner les orientations stratégiques de notre secteur touristique. Améliorer et renforcer la formation touristique en vue d'une meilleure adéquation avec les opportunités d'emploi, dans un contexte de promotion d'une gestion déconcentrée du secteur touristique. Reprendre le programme de classification Hibiscus en vue notamment d'actualiser les données existantes. Renforcer l'administration centrale du ministère ainsi que les directions départementales en leur donnant les moyens institutionnels, organisationnels et financiers leur permettant d'atteindre les objectifs de relance du secteur touristique. Et enfin, travailler à la mise en place d'un bureau de promotion touristique via un partenariat public-privé. Ministre environnement James Cadet a installé Ricardine Saint-Jean comme nouveau ministre commerce et industrie mercredi 21 juillet 2021. Dans le discours circonstance, le ministre environnement a demandé cadre ministère commercial collaborer avec nouveau ministre pour permettre les bons résultats. Numéro MCIA, beaucoup de parle, il garantit libre travail pour permettre au ministère de continuer à jouer le rôle comme ça doit. Ministre Ricardine Saint-Jean félicité et puis remercie ancien ministre commerce et industrie pour le travail qu'il a fait pendant le passage en tête au ministère. On suit un extrait dans le micro TNH. Malgré cette circonstance difficile, ce moment vraiment de grande tristesse que nous traversons, avec le départ de notre président feu, son excellence Jovenel Moïse, le devoir nous interpelle d'œuvrer pour que l'État reste debout. Je pense que c'est en cette circonstance que mon collègue et moi avons répondu à l'appel. Et j'en suis fier ce matin pour procéder à l'installation de mon collègue, ministre Saint-Jean, au nom de son Excellence le Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Ce que je peux dire tout simplement, c'est solliciter votre collaboration pour accompagner le nouveau ministre. Et à moi de lui souhaiter du courage et succès dans la gouvernance de cette administration. Le dynamisme, le savoir-faire et l'engagement que je mettrai à l'accomplissement de ma tâche seront la meilleure expression de ma parfaite compréhension des enjeux qui sont inhérents à ma fonction. Je m'en voudrais de ne pas saluer
le travail d'un ami que j'ai rencontré ici au ministère, mon prédécesseur. Un homme de très bon commerce, d'une franche collaboration, homme de dialogue. Dès son arrivée au ministère, il s'est évertué à créer une atmosphère propice au travail. Merci, ministre Kofi, pour ça. Les défis à relever sont immenses. Nous les connaissons tous. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de manquer le rendez-vous que chacun de nous a. Le temps des incertitudes, il peut être aussi le temps des espoirs. Gouvernement démissionnaire qui était en tête, le premier ministre pour un petit bout de temps, Claude Joseph, organisé une cérémonie hommage pour le président de la République, là, Jovenel Moïse, qui mourit assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Plusieurs anciens ministres et conseillers qui travaillent côté chef de l'État ont profité de l'occasion pour témoigner bon comportement président Jovenel Moïse te gagnant et puis souhaiter enquête la continuer pour capable rendre justice avec chef de l'État. Justin Pierre et Michel Joseph a présenté un contre-indi. Nous avons misé Panthéon national haïtien. C'est une cérémonie qui commençait avec la prière. Côté plusieurs catégories moun te répond présent pour rendre chef l'État un hommage avant un thème li kap gen pour chanter dans ville cap haïtien. Actuel ministre affaires étrangères Dr Claude Joseph souligne bon qualité président Jovenel Moïse te cultivé pendant la vie li. La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calendre la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées, qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas. Pour ancien ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre-Josué Agenor Cadet, président Jovenel Moïse, c'était un modèle. C'est même Mouyo, ancien ministre Condition Femme, Marie-Ghislaine, mon premier utilisé, pour témoigner si pas président Jovenel Moïse était toujours bali dans le cadre de travail. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et ministre des Affaires sociales et du travail, je ne peux me passer de cette occasion pour dire à mon président, à notre président, va en paix, mon frère. Et la lutte continue. Tu veux compter sur nous? Richard Doré, Naoum Dorville, c'est respectivement conseiller et chef cabinet chef l'État pays. Ils ont même tout condamné Zak assassinat 7 juillet et puis mandé justice pour président Jovenel Moïse. Il se voyait comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays, surtout pour les masses rurales. Oui, tout programme ni, c'est président souvent, lui toujours moi, dans le bureau, li, l'après-le, qui connaît le, est-ce qu'il travaille, il est tel ministre, ou bien tel directeur général, j'ai jamais vu, il travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit, côté en section communale, là, à qui niveau projet aille, il est un homme d'action. Toutes ces actions visaient le développement de ce pays, qu'il n'a jamais quitté, et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions
était prise dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert un holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Cérémonie a déroulé en présence représentant plusieurs autres pays. C'était occasion pour directeur général Bureau National Ethnologie, Erol Josué, et Fanfa Force l'armée pays d'Haïti, rendre hommage à l'ancien chef de l'État de façon payo. Préparatif yo a continué dans le département nord pays a pour enterrement national en chef l'État Jovenel Moïse. C'est dans l'habitation Bodin dans la ville Cap-Haïtien que le président Jovenel Moïse a enterré après enterrement les fines chantées vendredi 23 juillet 2021. Ces décisions, ça, Madame Li, première dame Martine Moïse prend, dans souci pour respecter dernière volonté président République là. Jeudi 22 à vendredi 23 juillet 2021, c'est deux jours fériés à Canchomé. Dans ce sens, administration publique, commerce, industrie et l'école pas travail pendant deux jours. Disposition s'est adoptée dans un arrêté qui est publié lundi 19 juillet 2021. Mais ça prend en occasion enterrement national président Jovenel Moïse qui a déroulé vendredi 23 juillet dans la ville Cap-Haïtien. Une cérémonie hommage réalisée week-end passé à la mémoire président Jovenel Moïse dans la délégation départementale l'Ouest. Plusieurs membres d'organisations politiques qui proches président Moïse étaient présents dans l'occasion. Gary Bernadotte, délégué départemental l'Ouest, salue le travail qu'il dit chef de l'État a réalisé dans l'intérêt de la population. Il extrait un micro Falan Delphin. Je dis à nous-mêmes, nous perdons papa. Nous mettons quand son... Dans ta nous, nous avons enterré papa nous. Et comme je te dis, je suis dans la justice pays, j'espère que notre temps pas trop long. Nous avons besoin d'exactement ce qui est passé. Et parce que le peuple haïtien a besoin qu'on ait ce qui est passé. Veillez à nous inviter toute population. Chaque soir, nous sommes toujours là. Et nous faut toujours les prêtres, les pasteurs, et gagner tout. Et je suis et gagner tout pour le clou qui vient là. Et gagner un grand tout. Et il y a des gens qui jouent domino, nous jouons basic là, nous jouons quatre, nous bêtisons nous ensemble, et parce que nous avons fait un bel jusqu'à ce que nous fassions un terme. Direction générale de la police nationale d'Haïti a présenté bilan enquête à coopération humaine pendant 4 derniers jours sans yo sous dossier assassinat président de la République, la Jovenel Moïse. Selon le directeur général PNH, la police fait 3 nouveaux arrestations. Les lancer 3 avis recherches et puis fouiller 13 cailles privées. Toujours dans le cas d'opération Sayo, la police a saisi 45 fusils, 14 pistolets et une centaine de cartouches dans le cas d'enquête. Le numéro 1 PNH l'a déclaré, inspection générale la police l'attendait 45 policiers, les prend 3 maisons conservatoires et puis mettait 7 agents en isolement. Qui effectue. Il s'agit de deux policiers, de Nino Brun, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Aubin. Nous demandons de nous contenir pour nous par l'insurance. Par l'insurance, c'est une assassin qui est fuite. Et la police m'a dit,
collaboration de toute la population pour nous capables le plus vite possible de mettre l'élection en backup. Mandat quoi, Joseph John Joël. Tout le monde connaît notre annonce déjà, au même titre que Rodolphe Badio, John Joël Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président de l'UE. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour nous citer, c'est résidence, une résidence John Joël Joseph. Trois résidences Joseph Félix Badio. Un résident, résidence Rinaldo Corvin. Une entreprise qui appartenait à la famille Jean. Un autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel. Un autre domicile de John Joël Joseph qui est en 83. Et un autre hôtel qui est le Villa Rose Pelindé. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 47 auditions. Il y a 23 mesures conservatoires que l'on prend en compte le policier de 7 qui est placé en isolement. Nous gagnons des 7 policiers ça. Nous gagnons Dimitri Roy, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Lely, Conrad Bastien, Fautus Renaud, Gentil Hubert. Jean-Emmanuel Jacquet installé mercredi 21 juillet 2021 dans tête ministère Kilti à communication. Dans poste ça, il remplacé Pradel Henriques. Ministre Kilti à communication Jean-Emmanuel Jacquet promet libre travail pour renforcer secteur culturel là et puis mettre sous pied nouvelle stratégie communication gouvernementale. Yon contrandi avec Marie Dudon Hurtelou. Si en présence ministre planification à coopération externe, de seul Simon Dira, ministre Kilti à communication sautant Pradel Henriques, avec secrétaire d'État à communication Franz Exantus, cérémonie installation ça a déroulé. Ministre sautant Pradel Henriques félicité nouveau ministre Kilti à communication 1, pendant les souhaités Jean-Emmanuel Jacquet continuer travail pour renforcer secteur Kilti à communication 1. Ministre Jean-Emmanuel Jacquet, et pour nous rappeler nous que l'important que Jacquet est capable de compter sur le personnel, sur employé, pour lui réaliser une mission. Et mission, il parle en pire. Il parle plus sévère que ça, moi-même, ce grand pire pendant 16 mois. Parce que nous allons entrer dans une période électorale, nous allons entrer tout le monde qui sont période violente dans tout le pays. Nous gagnons pour première activité pour le ministre en fait dès demain, qui c'est les funérailles du président de la République. Moi-même, j'étais membre du comité des funérailles, capable de sa capitaine, et se dire ça en coulisses, il y aura du pain sur la planche. Mais ça, le connaît tout, il connaît capable de compter sous moi à 100%. Ministre Kilti à communication Jean-Emmanuel Jacquet souligné développement culturel à création nouvelle stratégie communication, ses principaux objectifs li pendant passage li dans tête ministère. En tant que ministre de la culture et de la communication, mes actions auront une double portée, comme sa dénomination le dit clairement, développement culturel et dynamisation de la communication gouvernementale. Ma vision globale est donc d'articuler la culture comme vecteur d'harmonie et du vivre ensemble pour mieux répondre à ces deux exigences. Dans ce contexte particulièrement difficile de la vie de la nation, où l'on a besoin de nouveaux signaux d'espérance pour continuer à rêver ensemble, les actions du ministère de la Culture et de la Communication seront articulées autour de quatre grands axes. Premièrement, la valorisation et la mise en industrie du patrimoine immatériel. Deuxièmement, l'appui à la création et au développement des entreprises créatives locales dans le cadre d'une démarche axée sur la promotion de l'économie sociale et solidaire. Troisièmement, le renforcement institutionnel et la structuration du secteur culturel. Enfin,
la redynamisation et l'implémentation de nouvelles stratégies de communication gouvernementale. Ainsi, mon plan d'action va se résumer dans un premier temps en la modernisation et la commercialisation des fêtes traditionnelles, patronales, carnaval, guédé, etc. et du savoir-faire populaire à travers des événements, foires, festivals, expositions, concerts, etc. organisés par des opérateurs du secteur privé et du secteur associatif au niveau des régions et au niveau local avec le soutien des pouvoirs locaux et la subvention conditionnée du pouvoir central. Dans un deuxième temps, en la dynamisation du marché du livre et de l'édition à travers un appui soutenu aux organisateurs de foires, de salons et d'autres événements autour du livre. Dans un troisième temps, en la dynamisation du marché de l'artisanat et de la mode à travers un appui soutenu aux organisateurs de foires, de salons et de spectacles. Quatrièmement, dans un quatrième temps, en des efforts consentis vers la création et la réhabilitation d'infrastructures culturelles, salles de spectacle, salles multimédia, pendant que on espère voir descendre le pic du Covid-19. Ceci dans les différentes régions et communes du pays à travers un partenariat public, privé, associatif et communautaire. C'est ministre Planification et Coopération Externe Simon Dieusel Tira qui installait Jean-Emmanuel Jacquet comme ministre Kelti à Communication mercredi 21 juillet 2021. Moins indigné, révolté, dévasté, suite à nouvel assassinat président Jovenel Moïse, ses déclarations ancien coordonnateur Convention Unité Démocratique qu'il fait mercredi 21 juillet 2021. Ancien Premier ministre l'ont invité autorité à prendre disposition pour l'imia fête sous acte assassinat. Evans Paul prêchait tête ensemble dans le temps acte politique. L'économico, Midre Emilia, ça a Bernard Marseille, en suivant. Moi, ça très mal. Moi, indigné, moi, révolté, moi, dévasté. Et je ne sais pas si c'est vrai. Même j'ai accompli le monde, dans mitan la nuit là, il y a des gens qui disent moi, ils ont attaqué le président, bien bonheur depuis vers 2-3 heures du matin, il y a des gens qui disent le président mourit, je ne peux pas comprendre comment ils sont capables de tuer un président facilement comme ça. Et vous parlez de ça qui est passé une semaine auparavant, 8 jours, jour pour jour, et je suis capable de dire c'était 29. Et 30 juin, il a été assassiné Diego Charles et Antoinette Duclair et un pilote monde dans Delma 32. C'est même tout, c'est dans proximité à Delma 32 Crissois. Et bien même une semaine après, c'est pral et tout pas président. Bien sûr qu'on bon événement violent nous vivons depuis quelques temps, massacre La Saline, massacre sous Belay, Cité Soleil, Matissan jusqu'à présent dans l'impasse, c'est inacceptable. Nous ne sommes pas capables de dire inacceptable qui a noyé le pays à chaque jour plus et lui veut jusqu'à assassiner un président dans la chambre. J'en se dit, madame ni, c'est le deuxième monde qui est victime, qui est blessé, pas gagne l'autre monde encore qui gagne aucune conséquence physique. Un drame national mettait sous l'autre problème insécurité, chômage, grand goût, toute l'autre préoccupation haïtien te gagne. Je dis à l'évin aggravé parce que l'autre yon président ou font attentat sous tout pays. Quand tu remets président, quand pas très bien, président c'est visage pays à sous plan international. Et lorsqu'un pays pauvre tant qu'au Haïti, ou doit toujours créer conditions, ou doit toujours soigner l'image pour attirer investissement étranger. Parce que graisse cochon, pas qu'à cuit cochon. Nous n'avons pas de ressources naturelles,
son pays qui est un paquet de monde pauvre là-dedans, si transfert ou bien transfert diaspora voyé à Liban en coûte même elle pas assez, nous besoin investissement étranger. Gen l'autre pays, si par exemple pays voisin République Dominicaine, ça lié jodi a c'est grâce à investissement russe, investissement chinois, investissement allemand, investissement français. C'est pas venir ou pas venir en Haïti, tout puisque nous gen même climat. Dans Haïti gen plus pigo histoire. Mais c'est parce que nous nan goumen entre nous et nan goumen entre nous, hein, nous créons une ambiance cap rann nous vinn pi pauvre et principal secteur qui a payé conséquence là, c'est secteur plus défavorisé, monde qui n'est quartier populaire, monde qui a vécu dans paysannerie malheureusement. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour nous. D'accord. Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.